Venez vous asseoir avec moi, on va briser un tabou aujourd'hui. On va parler de sécheresse vaginale. Une femme sur quatre est aujourd'hui atteinte d'une sécheresse vaginale, n'importe quelle femme, à n'importe quel âge. Certaines études ont montré que quasiment une femme sur deux va attendre plus de 5 ans avant d'en parler à un professionnel de santé. Du fait des changements hormonaux, en particulier après la ménopause ou en post-traitement pour le cancer du sein, ou même après un accouchement avec des cicatrices d'épisiotomie, vous pouvez ressentir des démangeaisons, un inconfort, des brûlures de façon quasiment quotidienne et même des douleurs lors des rapports sexuels. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui de briser ce tabou parce que ce problème peut avoir un réel impact sur votre qualité de vie. Ce n'est pas qu'en lien avec les rapports sexuels, c'est aussi quand vous faites du sport, quand vous avez des activités habituelles qui peuvent être problématiques. Vous pouvez utiliser certains lubrifiants ou faire des traitements substitutifs à base d'hormones, mais il est également possible de traiter cette sécheresse avec des injections d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique est un composé qui est naturellement présent dans la peau et les muqueuses et qui, du fait de son pouvoir d'hydratation, va venir réhydrater naturellement la muqueuse. C'est très efficace et ça tient une bonne année. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à revenir vers moi.